Hey, salut YouTube, ça tombe bien, t'es toujours là. C'est la suite des aventures sur Baldur's Gate. On s'est fait une création de perso pleine de charisme, pleine de charme et d'élégance. Et on vient de se cracher comme une merde au sein de notre. Ça ouvre ma fiche de perso, c'est assez particulier. Why not? Comment qu'on pivote la caméra? On verra ça après. Question de Flèche d'Armandale. Alors j'ai la carte à droite, je vais voir. C'est bon, on me voit pas. C'est parfait. Talent. Ah, c'était un geste important, j'ai donc déjà une sauvegarde automatique. Someone else got out. Might be other survivors. Le feu, ça brûle. C'est ce qu'on retiendra de cette. Qui avec tabulation de passe de change d'arme. D'ailleurs, notre arc et flageur était très sympa, ils nous ont laissé avec notre armure et notre épée. Sans de flageur mental, liqueur argenté et visqueux qui circule dans les veines d'un flageur mental. Pulpe du vide. Génère une force qui attire tous les objets proches qui ne sont pas tenus ou rivés au sol. Très bien. Alors là, ça a l'air d'être un gros cul-de-sac. Suivons le. Rentrons dans cette espèce de sphincter. Commande de base de la caméra, tiens, ça m'intéresse. Bouton central, WSD. Oh, mais incroyable. Les sorties de secours se situent de à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Il vous suffit de traverser les anus. Il y a des diablotins. Devil King. Am I in the house? Il y a un bulbe caustique. Coquille creuse, un registre illétide. Images of goblins. Des la vie quotidienne des gobelins, une histoire défile dans votre esprit. Une chaise visqueuse, c'est probablement là qu'il regarde certaines vidéos. Il ne l'a pas beaucoup nettoyé. Ouais, il est chelou, il y a une espèce de voix qui me parle dans ma tête. Ah oui. Il y a Myrnath en train de se faire opérer. We are here. Très bien. D'ailleurs, tout à fait. Je reviens plus tard, tu as l'air tout à fait en forme. Ne bouge pas. Un aquarium cérébral. Brains. Manuscrit utile. Faint images appear in your mind. A brain, a gate Yankee warrior, and centuries of darkness. A thousand years of humanoid history. Elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Ça s'imprime en un instant. Une story Instagram, mais dans un truc illicite. Alors par là, on a l'air d'avoir la sortie plus ou moins du. Bon, on va aller voir notre ami l'opérer. C'est beau. C'est mignon tout plein. Profitons de la beauté incroyable de ce personnage. Myrnath. Pourquoi faire un escalier? Bah non. Et pourquoi marcher avec des chaussures aussi? Yes, you've come to save us from this place. From this place, you'll free us. C'est littéralement la définition d'avoir le cerveau qui bouge. Before they return. On a raté la jet de perception. They return. Tranche les manières préventives. À qui ai-je... Excusez-moi, je parle à un homme ou un cerveau? A newborn. Born new from this husk. You know no creature.
creature like this, one that is more brain than person. On est en train de rater tous les jets à côté. Je crois que personne ne peut plus rien pour vous. Dites-moi ce que je dois faire et faire un jet de santé mentale. Eh ben c'est la bonne ambiance pour la première personne qu'on croise. On peut inspecter le cerveau mis à nu. Cible de 10 en intelligence, notre spécialité. C'est donc un dou. Apart from this strange context, you notice nothing unusual about the brain. En soi, bah en même temps, on n'a pas créé l'intellectuel, hein. Eh bien, est-ce qu'on brise le crâne ou est-ce qu'on détruit le cerveau? Je pense qu'on fait le bourrin, on brise le crâne, juste pour voir ce qui va se passer au niveau cinématique. J'ai hâte de voir ça. Si tant est qu'on arrive à... 3. On est sur la pente montante. On fout partout. Oh putain, la teubée. The skull holds fast. Bon bah on va détruire le cerveau. Tant pis. Oh quelle belle barbe. On dirait horrible. Oh bon ça y est, je m'en suis mis plein les mains. Et sortent à la mais j'ai pas besoin, avec les doigts ça se fait ça madame. La cuisine on fait ça comme ça là. Changer si ils sont des armes. Et ben c'était une interaction un petit peu dégueulasse ma foi. L'ambiance est sympa, ouais. Je vais enlever ça parce que c'est en train de m'arracher la tête. Genre tu mettrais pas les doigts dedans pour touiller toi. Avec un petit peu de salé de poivre, ça m'a l'air pas mal. Ça fait quoi ça? Ah rien, ouais. Je lècherai. Ah! Il y a encore des gens dehors. Sauter! Si la commande de saut, ouais. Pour atteindre des endroits surélevés ou par sauter par-dessus les obstacles. D'accord, il y a des commandes de déplacement. De sauter. Plonger. Plonger votre âme dans une substance pour infliger des dégâts supplémentaires. On peut bousculer. On peut se cacher. On peut lancer. Accélération. Aider à sommer. Nous allons sauter. Attention. Eh non, car il n'y a pas de jet. Il n'y a pas de jet pour le saut. Et heureusement, parce qu'on aurait fait un 3 ou un 4, encore une fois. L'ambiance est très chouette, donc. Hein. T'es qui toi? Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh, my head. What is this? You are no thrall. Vlakith blesses me this day. Together, we une must fight. Non, là, c'est pas une orque, on peut pas jouer la race. Walk the path forward. You will assist me in destroying them. We must reach the helm before we transform. Qu'est-ce que vous voulez dire par une transformation? We carry mind flayer parasites. Oh, tout unless de suite. We escape, unless we are cleansed. Bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be geek. Mind flayers. Mais enfin, il doit y avoir un moyen d'empêcher ça. Oh, quel charisme quand même sur les cinématiques. That must be our priority. Son armure éclate, c'est des rubis, j'ai pas fait gaffe. T'es qui, toi? Who am I? Your only chance of survival.
C'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce qu'on trouvera un moyen de s'enfuir depuis la passerelle? Ah, une fois qu'on sera sur la passerelle, il suffira de demander à Monsieur Sou de passer en warp speed et puis hop. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Ouais, Jocelyne, t'es bien sympa, mais je suis niveau 1, hein, j'ai pas le niveau pour attaquer un flageur mental. Hein. Enfin, si, je peux l'attaquer. Je peux. F5, le sauvegarde. Enfin, le sauvegarde. Le combat se déroule par tour. Chaque tour, un personnage peut effectuer une action, et l'action bonus est changer de position. Alors, on a l'ordre des tours en haut. Initiative, ça dépend de la dextérité, autant dire qu'on n'aura pas souvent initiative. On a des actions ici. Ok, des actions qu'on peut faire en plus. Et notre barre de mouvement, combien on peut faire de distance. D'accord, très bien. Ok. Ah d'accord, c'est elle qui commence. Comment tu t'appelles? Lysel. Ok. Mais c'est... Ça me dit pas grand chose, c'est bien, mais. Alors, on en a un là. On en a un en haut. Ah, puis on en a là-bas, qui a une arbalète. Lysel, Minelli. Oh mon dieu. J'espère que t'as un peu honte. Hop. Est-ce que... Attaque à distance. Vous faites une attaque à distance avec l'arme équipée et infligez un indice performant. Ouais, mais... Si mon arme équipée, c'est une espèce d'épée à deux mains, ça va pas le faire. C'est quoi comme équipement? Oh, c'est menu. Équipement. Oui, c'est pas très une arme à distance, quand même. Ah, par contre, t'as un arc courant. Hein? D'accord, on peut changer d'arme un peu comme on veut. On va essayer de dégommer celui qui est en haut. C'est un toucher, on peut pas voir les joueurs. Les... Alors, des. Est-ce qu'on peut voir les G? Il y a une console avec les G. Bonus, action, c'était fait. Bon, si j'ai pas les G, ça va pas le faire. Hein. Les cartes, journal. Yep. Ah bah c'est là. Si on s'est désengagé, blablabla. Attaque à distance sur des bottins. Oui, certes, mais j'aimerais. Ah voilà, j'ai d'attaque. J'ai des dégâts. Il y a des résistances. C'est bon. Et du coup, vire ta face. Oui, certes. Hop, je vais me mettre là. J'ai bougé le chat. Voilà. Et. Normalement, on doit avoir une modification. On s'en fout complètement. Et je dois avoir l'alert box qui traîne dans le coin. Bah oui, comme c'est demandé avec délicatesse. Donc, du coup, tu peux te plonger, tu peux bousculer, tu peux te cacher. Second souffle, on s'en fout. Alors. Tu vas avancer. Là, puis tu vas essayer de te faire le même. 72% de chance de toucher. Oh vache! Il choque sa résistance. Prendre 2000 dégâts seulement. Et du coup, ben. Ça me semble pas mal. Aïe! C'est combien en... C'est combien en CA? Une plate partielle. Nous, une armure d'écaille. T'as corps à corps, d'être des ulceurs, d'accord, t'as 16 en CA. Un des 6 un peu plus en dégâts, on s'en fout. C'est génial, point de vie, vitesse de déplacement. Très bien, je voulais augmenter Karak.
Voilà. 17 force, 13 dex, 14 constit. Intelligence, c'est bon. On est globalement sur le même profil de perso. Bon, l'interface ressemble quand même pas mal pour l'instant à ce qu'on avait avec. Ouais, t'inquiète. 100% de toucher. Je vois pas comment c'est possible, mais soit. La pièce d'action. Prenez du matasco, il va mourir. Et voilà, notre premier kill, c'était incroyable. 10 points d'expérience avec ça, on va pas pisser loin. Je sais pas si on peut vraiment aller au contact. Et toi t'as encore du déplacement. Et fin du tour. Ah, c'est sûr que c'est un peu moins dynamique que la pose tactique. C'est raté. On va d'abord attaquer avec notre naine chérie. Qui one shot. C'est bien, c'est ce qu'on attendait. En même temps, il restait plus qu'à point de vie, mais bon. Ça fait très robot. Oui, un peu. Ah, du coup, on peut. Une sacrée capacité de saut. 95% pour toucher, oui, il doit vraiment avoir une série de merde. Hop, et toi, tu vas tenter. Je propose le jump, puis l'attaque. C'est pas mal. Je dis, c'est pas mal. C'est des Jedi un peu, ouais. Une épée longue, de l'or. Ah, de l'or, mais. Ah, hein, mais quand même. Que dalle. Je me fais level 1, ça donne. Oh, parchemin d'armes magique, hein. Ça doit coûter cher, ça coûte 100. On a un dévoreur d'intellect. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter tout de suite cette cuve que j'ai ramassée. Ah, merci. Alors là, ça a l'air d'être plus de sac. Il y avait des espèces de bruits de trucs dégueux. Ça va être des diablotins derrière. Sur la map, c'est quoi les jetons rouges et verts? Des diablotins blessés, un étudiant asservi. Ça va pas être au niveau où je suis parce que je les vois pas du tout. Non, il y a une espèce de gros truc, mais. C'est pas. C'est ce que je suis. Ah oui, restauration. Ah. Ou manger un burger. Et. Truc de soin. Il y a des gens qui se bastonnent. Il y a un flush. Oh là là, on a la barbe qui glitch. Bref, on est une ultra. Hein.
boulanger a servi. Lend a hand, won't you, love? There's a rat in the kitchen. 10 red rats. Bon, il a pas l'air bien, lui. Il a pas l'air bien, le monsieur. The mind flayers have already enthralled him. Leave him. We will share his fate. D'accord. Voilà. Il y a un gros truc moche. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça a une espèce de canon. Ah oui, d'accord, c'est le canon. Il l'a achevé, non? Bah non, on va faire. Il n'y a pas d'alignement, en fait, je sais pas. J'en ai pas vu, en tout cas. C'est une excellente question. J'ai l'impression que non. Inspiration, je sais pas ce que c'est. Non, j'ai l'impression que ça va être très... Est-ce qu'on peut l'attaquer pour mettre fin à sa vie? Oui. Le 20 naturel, forcément. On a gagné un point d'XP quand même. Ah, il y a des gens qui sont pas contents qu'on ait buté leur pote. Ah, d'accord. Il y a un dévoreur d'attaque niveau 20. Bon, visiblement, c'est une expérience, c'était une idée de merde. Il est où, lui? Ah, il est là-haut. Je peux même plus massacrer les PNJ. Jump de l'enfer, c'est vraiment un point d'XP, ça se prend. Il y a pas de petite, il y a pas de petit profit. Là, les ailes vont être déplacées. Là, on va attendre tranquillement qu'ils approchent. Oh putain! Ce qui est bien, c'est que du coup, on va mourir. Merci d'un compagnon. Déjà, tu vas te faire. C'était pas sur toi. C'est pas grave, tu vas pas le faire. On va se faire le dévoreur. Très bien. Avec un 4 à l'attaque en même temps. Ah, il a 12 en CA. Bon, c'est jouable. Les ailes, tu vas te soigner contre ce souffle. C'est mieux. Et tu vas le cogner. Putain! Oh, léger! Boum! Et bah, next. Raté, c'est bien. Conne dur, lui. Ouais, c'est bien, cause. Quatre, c'est un peu nul, hein. Surtout qu'il reste 14. Il reste 1. Bah, tu vas boire ta potion de soin. Sinon, tu vas mal finir ce combat. Raté, c'est bien. Putain, mais il a combien à toucher? Attaque 13, plus 2, plus 2, temps avec une 7-16, on pisse pas loin. Le dévore, il est mort, c'est déjà ça. Placé d'action.
Prendre une attaque d'opportunité si tu te déplaces trop. Menacer, ça fait quoi? Attaque critique, échec critique, bravo, bravo. On commence sur de bonnes bases. Pour lui, il est bloqué quelque part. Hein. Ça, c'est fait. Ah oui, là. Il là-haut. Ah ouais, écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Est-ce que je peux lui jump sur la face? Et vu que oui, oui. Je prends 4 points de dégâts dans ma tronche en plus. Hop, tu vas te déplacer là et t'as une attaque à distance. Très bien. Parfait. Ce qui serait une bonne idée, c'est que toi t'ailles te soigner. Heureusement qu'il y avait le flunch juste en bas. T'es pas mort. Ah, on a quand même grillé une potion de soin dans l'intro du jeu. Ce qui est quand même assez respectable. Il y a d'autres diablotins. Est-ce qu'on peut tenter de faire la discrétion? Super surprise, très bien. Une embuscade! C'est le kill! Grâce à la discrétion légendaire de Nain. Et voilà, 2 kilos d'attaque. Ça, c'est bien. Ça me plaît, ça. On a servi transpercé. C'est pas toi que je voulais creuser! Bon, ils vont pas bien. On est d'accord pour dire qu'ils vont pas bien. Là-bas, y'a rien. La passerelle, c'est ça, ça a l'air d'être ça. Sauf que là, je pense qu'on va pas passer. Petite bouteille d'or. Les décors sont quand même très jolis. Ça fait voir les décors des Illithids des précédents. C'est plus dégueu qu'à l'air. Je te détruis les muqueuses à coups d'épée. Faut dire qu'on a un petit peu le Covid de ce vaisseau. Les titres aussi, je suis d'accord. À nouveau le sphincter. Issyk, back. Touch nothing without knowing its purpose. Comment ça, rien toucher sans qu'on sache? Mais où est le plaisir? Les esclaves capturés, un caisson de flageller. Il y a un point de restauration. Il y a un sac à dos. T'as l'air en colère. Qu'est-ce qui se passe, Kid? We have no time for stragglers. Cherchons un loquet. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Ça a l'air sympa. Des intelligences. Attention! Oh, incroyable!
ça pour dire, bah, je comprends pas. The pod won't open unless they're destroyed. Est-ce que je peux dissiper un sort en faisant dessus? Are you satisfied? We need to go. Silence, la verdâtre. Wait. That can't be. There has to be another way. Please. It cannot be helped. Come. Tais-toi, pauvre. Tu ressembles quand même vachement à une orque. Est-ce que tu as tes papiers d'identité? On a un truc, on a un statut. On est électrocuté. Ah bah. Ça fait quoi si je touche à ces trucs? But they do not react. Arrête de toucher à les trucs. Ah, bien joué. Donc ça, fallait pas. Ça, c'était le bouton, il fallait pas. J'aurais pu mettre juste un truc, ne pas appuyer sur le bouton, c'était bien aussi. Hein. Une bougie, je ne préfère pas savoir où il l'avait dissimulé. Akito. Oh le bâtard! Ah, d'accord, magnifique attaque. Oula, j'ai eu un petit un mauvais calcul de distance, c'était assez impressionnant. Alors, il y a quoi? Couper au sol, réduire vitesse de déplacement, on s'en fout. Ok, très bien. Je peux pas le prendre comme ça. Mais on se calme, oui. C'est quoi un statut menacé? J'aimerais bien pouvoir. 86% attaque sournoise. Ah oui! Et les guerrières, voilà ça! On a que les guerrières, je sais pas comment tu peux avoir un backstab avec ça. Non, pas du tout ce que je veux faire. Magnifique, superbe! Patate de fort. Hein. Merci Lala. Il va sûrement m'engueuler en mode hey, t'avais dit qu'il fait bonne idée! Hop, on va récupérer les shops. Là, l'or, là, je pense qu'on s'en fout. Et c'est quoi ce bouton? C'est rien. Le même bouton, ça fait rien. Et ça non plus. Des parchemins et des bidules. Touchons-moi au parchemin de bidule. Parchemin de simulacre de vie de blessure. Alors, simulacre de vie, votre. Vous renforcez avec un ersastre nécromantique de vie pour gagner 5 points de vie temporaire. C'est de la merde. Blessure, c'est pas terrible. Reliquaire ouvragée. Un collier bruni. Comme Carla. Et tout droit ou à droite? C'est quoi dont on a déjà visé? On va laisser les jeunes après le combat. À nouveau le sphincter, il y a un dévore d'intellect qui se balade là. Mais il s'en fout, genre complètement. Woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Je sens que ça va être encore quelqu'un qu'on va libérer, ça va être la merde. Une clairesse drainée. Ah, elle a une clé, ça va être celle de. Question du. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est bon. Et bien sûr, on voit un bouton, on va appuyer dessus. On sent l'inquiétude dans cet étrange regard vide. Ça sent l'idée de merde.
On a dû déclencher la digestion de la meuf. Elle aurait du charisme, mais oui. Ah ça, sans maquillage, c'est moins... Change her. Change to the pull of a lever. How? If we are not purified. C'était en effet le bouton qui ne fait pas appuyer. Moradin's bloody beard. I'm not waiting around for what to happen to us. Ou un truc du genre. The newborn mind flayer stares at you. Weak and dazed. Il est pas au bout. Il s'appelle Yuki, je pense, le moment où il peut dévorer un intellect. Alors, ouvrons. On a un Onyx et on a de l'Od. On peut toujours pas sauver l'autre. Tant pis pour toi. On prend peut-être la bouton plus loin. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Eh, c'est pas toi la chef, hein. Une clé, un coffre pour 5 PO. Oui. Moi, ce que j'espère, c'est qu'après l'intro, on va avoir une meuf en rose qui arrive et qui va dire « Hey, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir !» Oh. Eh ben. Ah. Il fait son petit repas. T'as le mec qui se fait attaquer par des diablotins nuls. Il se fait tuer par des diablotins nuls. The nerves of the transponder. We must escape now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. Moi je vais rentrer chez moi. Engager le combat, très bien, nous avons des diablotins. Et des macabées un peu partout. On se tape entre eux, non? Bah ouais, visiblement, le flageur il est occupé avec un diable. Magnifique l'échec critique, hein, c'est toujours appréciable. Ça a 7 de CA, un diablotin, comment on peut rater ça? Ça n'a rien fait. Ça c'est fait. Ça m'est passé. Oh, je me demande combien d'XP ils ramènent les deux. Ouais, on peut charger. Charger! Ça a raté, c'est très bien. C'est un échec critique, c'est parfait. Non, on peut même pas atteindre la cible parce qu'on est un putain de nain. Nous sommes une putain de naine, je voulais dire. C'est la barbe, on a du mal à les comprendre. Oh, la grosse patate. La patata. Hop, on va tamer un petit peu.
Aïeux. Mais pas trop. Je finis tôt. Ouais, niveau 8, c'est bon, t'es comme ça. Chaise visqueuse, elles sont où les commandes? Bébé? Non, non. Ah, il nous a dit de toucher à un truc, mais je sais plus quoi. Oui, c'est là-bas. Bon, tiens, Jacqueline, hop, je peux te mettre en quatrième vitesse. Je suis la lumière, mais oui, mais je suis pas habitué à suivre ce genre de consignes. C'est quand même sympa d'indiquer le chemin. Oui, bah écoute, ils ont le sens pratique, ces gens-là. Plus d'action, comment ça, plus d'action? Ah putain, il y a une deuxième vague de... Ok. Pourquoi pas? Hop, et on va essayer de tirer à l'arc. On a deux tirs. Ce combat d'aveugle à côté. Ça c'était nul. Pour l'instant c'est le tourisme. Bien la zik, ouais pas mal. J'avoue que j'ai pas trop fait attention, mais ça sonne pas mal. Ah, c'est sûr qu'après, par contre, les combats tour par tour, ça change. Ça ressemble à du Divinity. Alors, j'aime bien Divinity, mais... Comme leur nom l'indique, Divinity, c'est pas Baldur's Gate, quoi. Donc, c'est un peu perturbant. C'est pas Divinity 3, si, un peu, en fait. Et c'est ça le problème que je souhaite avoir avec ce jeu, c'est que c'est quand même, pour l'instant, très Divinity, quoi. Je suppose qu'on doit activer les commandes avant que notre pote le flagellaire se fasse tuer, parce que sinon on va devoir gérer le gros monsieur, et le gros monsieur il a pas l'air très sympa. Ah, monsieur bonjour. Bon bah vous m'enverrez pas, je vais activer le machin. Salut, hein. Alright. Et voilà, c'est fin de l'early access, on se fait griller la gueule. Ça doit faire mal. Ah, Crypto a été Tibra costaud. Allez, Conchitina. Les artworks sont jolis, ça manque de gobelins, je suis d'accord, pour l'instant. On a quand même une peau verte, hein. Ça compte, ça compte.
Et d'ours. Bah, ça manque aussi d'un loup, de grouilleux malades, de kobolds unijambistes, de xvarts. Ça manque d'une bonne créature qui nous regarde en disant « Nyeh, à l'attaque !» Le gobelin, c'est vrai. Un gobelin avec la peau rouge. Oh, des drôles, des gobelins, des... Ah bah voilà des gobelins. Pour se vendre au premier marchand. Qui veut nous offrir 2 balles pour une arme magique. Ok, on se prend un pavé dans la gueule. Oh, on aurait pu tomber sur la tête, ça sert à rien. On est tombé sur la tête, mais moins fort que prévu. Plage dévastée. Bon. Eh ben, YouTube, je vous dis, suivez la suite au prochain épisode. Ah bah ben là.